Christ, asseyez-vous. Ce soir, nous allons aux Colossiens. Colossiens 3, verset 16. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. La parole de Dieu du Père, la parole de révélation du ciel, que la parole habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu, en se comportant dans la grâce de Dieu, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et 17 dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Et dit, que la parole de Dieu, que la parole de Christ, que la parole de révélation demeure en nous abondamment. Aujourd'hui, nous allons voir le chrétien contrôlé par l'Esprit, demeuré par la Bible. Nous allons voir le chrétien né de nouveau, le chrétien qui connaît le Seigneur, le chrétien qui aime le Seigneur, le chrétien est semblable à Christ. Alors, il est demeuré par la Bible, il est demeuré par les promesses de Dieu, il est demeuré par les préceptes dans la Bible, il est demeuré par tout ce qui est révélé, et il peut dire à tout moment, il peut vivre à tout moment par la parole qu'il lit ou qui est écrit. Il est contrôlé par l'Esprit. L'Esprit et les Écritures. L'Écriture et l'Esprit feront de nous différents des pharisiens qui ont l'Écriture en tête. Ouais. Et l'Esprit sans l'Écriture, on dira que oui, nous sommes fanatiques, l'Esprit dit, mais sans l'Écriture, alors on deviendra fanatique. Et nous serons, oui, le feu sans la focalisation pour diriger le feu. Mais quand on a les deux, l'Écriture demeure dans notre cœur et l'Esprit qui nous contrôle, maintenant nous serons maintenant des chrétiens véritables qui suivent Christ. Alors, au cours de la tentation, on dira, c'est écrit. Et tu dis, Père, oui, enseigne-moi, dis-moi ce que je dois faire. Alors, ce que je fais, je le fais par l'Esprit de Dieu. Et il dit, si je chasse l'Esprit, par l'Esprit de Dieu, dont le royaume de Dieu est venu vers vous. Alors, il y a la combination des Écritures et de l'Esprit, la Bible et les Écritures combinées ensemble font de nous, ou bien fait de nous, l'homme qui ressemble à Christ, la femme qui ressemble à Christ. Nous allons à Josué chapitre 1, verset 6. Josué 1, verset 6 qui dit, fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Verset 7. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. Qu'est-ce qui va nous rendre forts et courageux? Ce n'est pas l'habileté naturelle, ce n'est pas l'apprentissage séculier, mais c'est l'Écriture, la parole de Dieu. Nous voyons comment le Seigneur a traité les prophètes et les enseignants d'autrefois, comment il les a fortifiés, sachant que Dieu est un Dieu impartial. S'il les a aidés, s'il les a élevés, s'il a mis sa parole dans leur bouche, il n'est pas un Dieu impartial. Il peut nous faire la même chose. On devient fort, on est fort dans l'Esprit, on est fort dans le Seigneur, parce que l'Esprit de Dieu nous dynamise. Vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez la puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Quand la Bible nous demande, nous demeure, l'Esprit nous demeure, les Écritures nous demeurent, alors on devient courageux, fort, pour et en haïssant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras.
Et le verset 8 dit que ce livre de la loi, c'est tout ce qui a été écrit à l'époque là, de la Genèse à Deutéronome. Et Josué a été appelé au ministère, tout ce qu'il avait. Oui. Les psaumes n'étaient pas écrits à l'époque. Les prophètes comme Ézéchiel, Jérémie et Esaïe n'étaient pas là. Alors tout cela n'a pas été écrit. Et Matthieu, Luc, Marc, Jean n'étaient pas là. Alors tout ce qu'il avait, c'est le livre de la loi. Maintenant, non seulement le livre de la loi, nous avons le livre des lois. Nous avons tout de la Genèse à l'Apocalypse et dit maintenant que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Ce n'est pas seulement lire et étudier au cours du recueillement, au cours d'un temps spécial, on médite, on ressasse, on rumine cela, on pense à cela, on analyse et on applique la parole que nous avons lue à nous-mêmes et nous demandons comment cela affecte mon comportement, mon caractère et la vie que je mène. Et alors, nous méditons, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Comme je l'ai dit, le titre est « Le chrétien demeuré par la Bible, contrôlé par l'Esprit ». Nous allons voir trois points. Un, le chrétien dans la Bible qui est complète. La Bible est maintenant complète. Nous voulons voir le croyant dans la Bible. Deux, nous allons voir le chrétien dans le corps de Christ. Deux, trois, nous allons voir le chrétien en tant que croyant et vainqueur. Numéro un, c'est le chrétien dans la Bible qui est maintenant complète. Voilà le chrétien aux actes, dans les actes. Actes 11, 26, Actes chapitre 11, nous lisons le verset 26. Et l'ayant trouvé, lorsque Barnabas a trouvé Paul de Sas, il est devenu maintenant né de nouveau, un véritable chrétien. Barnabas a amené Saul à Antioche et s'est dit, verset 26, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche pendant toute une année. Ils se réunirent aux assemblées de l'église et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors ces gens se sont rassemblés, ils lisaient la Bible, ils expliquaient la Bible, ils expliquaient les versets de la Bible, ils appliquaient la parole de Dieu à ceux qui venaient à cette assemblée, à cette église. Et ils ont fait cela probablement chaque jour. Et ils enseignaient beaucoup de personnes. Alors, leur vie était transformée. Et comme ils étaient sortis, et ils vivaient comme Christ, ils se comportaient comme Christ, ils interagissaient comme Christ. Les disciples, ceux qui étaient apprenants, les disciples, ils sont appelés chrétiens. Ils ressemblent à Christ, ils parlent comme Christ, ils se comportent comme Christ. Ils ne sont plus païens, ils ne sont plus des traditionnalistes, ils ne sont plus comme des religieux. Mais à cause de cela, les gens les ont appelés chrétiens, des gens qui ressemblent à Christ. C'est ce qui est souligné en Josué 1, verset 8. Lorsqu'il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. C'est ce que ces gens ont fait. Les gens qui ont reçu l'enseignement à Antioche, les gens qui ont reçu la parole et Christ de la parole, lorsque l'on reçu la parole, ils se sont comportés et ont vécu comme Christ a voulu qu'ils vivent. Et il s'est dit que médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Selon
tout ce qui est écrit. On ne trie pas, on ne choisit pas. J'aime ceci, j'accepte ceci. Nous acceptons tout et nous vivons par toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Et selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès. C'est après cela que le Seigneur va te soutenir. C'est alors que le Seigneur va te fortifier. C'est alors que Dieu va te faire avoir du succès. Et c'est alors que tu réussiras. Alors voyons trois sections ici. Un, nous allons voir le chrétien en tant qu'une branche fructueuse. Nous allons voir le chrétien en tant qu'une épouse fidèle. Et trois, le chrétien en tant qu'un pont fortifié. Quand nous disons chrétien, nous sommes connectés à Christ, nous demeurons en Christ, nous habitons en Christ, et c'est cette connexion avec Christ qui fait couler la grâce à notre vie et la puissance pour être et pour faire demeure en nous. Voyons numéro 1 ici, le chrétien en tant qu'une branche fructueuse. Nous allons à Jean 15 et le verset 1 qui dit « Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron ». Le verset 2 dit « Tout sarment qui est en moi, c'est Christ ». Nous sommes connectés à Christ parce que nous sommes chrétiens, parce que nous sommes nés de nouveau, parce que nous sommes devenus maintenant des branches dans la vigne. Et tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il, c'est le Père, le retranche. Et tout serment qui porte du fruit, il est le monde, il est le purifie. Et il le monde, il ôte les feuilles mortes, les choses inutiles de notre vie, afin qu'il porte encore plus de fruits. Lorsqu'on est de nouveau, on commence à porter de fruits. Nos vies sont transformées. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais ce n'est que le commencement. Alors, on continue, on évolue, il nous purifie, il nous émonde, il nous sanctifie. Et alors, on produit plus de fruits. Et le verset 3 dit, déjà vous êtes purs. Certains disent que ces apôtres n'étaient pas nés de nouveau. Ils étaient nés de nouveau. Il a dit que maintenant, vous êtes différents du monde. Vous n'êtes plus comme le monde. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Et le verset 4 dit, demeurez en moi. Vous êtes déjà en moi. Demeurez en moi. Ils sont nés de nouveau. Et je demeurerai en vous. Ils étaient nés de nouveau. Comme à Christ peut demeurer en eux s'ils ne sont pas nés de nouveau, s'ils ne sont pas transformés, s'ils n'étaient pas nouvelles créatures. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter de fruits s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Le verset 5 dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Comme les sarments sont attachés à la vigne, ses disciples s'étaient attachés au Seigneur. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient nouvelles créatures en Christ. Ils étaient fils et filles de Dieu. Et celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Et car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il a parlé de fruits. Il a parlé de plus de fruits, beaucoup de fruits. Le verset 8 dit si. Et verset 8 dit, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, que vous serez mes disciples. Et le verset 16 dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Comment les théologiens disent que ces gens qui ont été choisis par le Seigneur, dans d'autres versets, chapitre 17, il a dit que je leur ai donné ta parole qu'ils ont reçue. Alors, ils ne sont plus du monde parce que le monde les hait maintenant. C'est clairement dit ici que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi, je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Afin que
Ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Nous allons au Romains chapitre 11, verset 16. Romains 11, verset 16. C'est le fruit. Dieu cherche le fruit. Christ cherche le fruit. Même le fruit qu'on cherche à prouver, sans doute que nous sommes chrétiens. Le monde même cherche le fruit. Et or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Nous sommes les branches sur la vigne, parce que nous sommes les branches sur la vigne, nous portons du fruit. Et dit, si l'arbre, si la racine est sainte, donc les branches aussi le sont. Verset 22 nous dit, considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés. Et bonté de Dieu envers toi si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Alors, il cherche des fruits et nous portons le fruit, nous attachons à lui parce que sans lui, si nous ne continuons pas dans cet attachement, cette connexion à Christ, nous n'allons pas continuer de porter du fruit. Galates chapitre 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ceux qui ne sont pas venus, Seigneur, ceux qui ne sont pas des branches sur la vigne et qui ne demeurent pas en Christ, et dit, voici leur caractère, ceci sera leur style de vie. Notre style de vie, notre caractère va montrer si nous sommes hors de Christ ou nous sommes en Christ. Notre caractère va démontrer si nous sommes séparés de Christ, des branches coupées, jetées à être séchées, jetées au feu. Ou bien nous sommes attachés au Seigneur et nous avons le fruit qu'il espère de ceux qui demeurent dans la vigne. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Verset 20 dit, verset 20, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les fausses doctrines. 21, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, je vous l'ai dit avant le jour du jugement, que ceux qui commettent, comme je vous l'ai révélé dans mes messages, Paul disait que Je vous l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses, les hommes, les femmes, les petits, les grands, ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Ceux qui montrent l'évidence qu'ils ne vivent pas en Christ, ils ne demeurent pas en Christ, ils ne sont pas connectés à Christ, ils n'ont pas la grâce et la force pour mener la vie victorieuse, c'est dit qu'ils n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit que nous portons, le fruit que nous produisons, le fruit qui se présente dans notre vie et est en grand nombre dans notre vie, lorsque nous demeurons dans la vigne, lorsque nous demeurons en Christ, le verset 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, c'est-à-dire l'humilité, la tempérance, c'est la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Le verset 24 dit, ceux qui sont à Jésus-Christ, ceux qui appartiennent à Christ, ceux qui sont disciples de Christ et sont chrétiens, alors, on crucifie la chair. Vous n'avez pas besoin d'une autre personne de crucifier la chair pour vous. Cela veut dire que la personne vous persécute. Mais vous-même, parce que vous demeurez en Christ, parce que vous voulez porter de fruits, vous portez le fruit, vous voulez porter beaucoup de fruits, alors vous crucifiez la chair avec ses passions et ses désirs. Verset 25. Si nous vivons par l'esprit,
si nous sommes saturés par l'Esprit, si nous sommes saturés de l'Esprit, si nous sommes remplis de l'Esprit, si nous sommes remplis des Écritures et contrôlés par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit, que notre action, que notre production, que notre style de vie reflète que nous sommes maintenant en Christ, nous sommes crucifiés et nous crucifions la chair avec ses passions, ses désirs. Voyons la deuxième section ici, le chrétien en tant qu'une épouse fidèle. Alors, il a utilisé l'image d'un arbre, maintenant il utilise l'image de la famille. Et nous allons à 2 Corinthiens 11, verset 2. « Car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. » L'apôtre Paul dit que tous ces convertis qui sont venus au Seigneur, il est jaloux d'eux d'une jalousie pieuse, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure, l'épouse de Christ. Et dit, toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. L'apôtre Paul a dit que, oui, que je vous ai averti, je vous ai gagné à Christ. Alors, qui est devenu votre époux? Christ est devenu votre époux, votre chef? Alors, je crains que comme le serpent, le diable a séduit Ève, je crains qu'il ne vous fasse la même chose. Regardez la même chose. Comment la chose là semble? N'est-ce pas bon et agréable? On ne sait pas ce qui est agréable dans ce que Dieu a interdit. Dieu a dit, ne mange pas, tu n'as rien à faire avec ceci. Et c'est cela qui est mauvais. Et c'est cela qui est interdit. Alors qu'il semble attrayant et attirant. Alors parfois, que si tu manges, tu seras sage. L'ancien serpent a séduit à Ève. Et aussi Adam après. Alors il les a truqués. Et les deux, alors, se sont égarés du Seigneur. Et ainsi, alors, vos pensées, alors, il pourrait aussi tout faire pour corrompre vos pensées et vous détourner à l'égard de Christ. Le croyant, le chrétien est une épouse. Il doit demeurer une épouse fidèle. Nous allons aux Éphésiens 5. Éphésiens 5, le verset 25. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Verset 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse. Ouais, si la femme ne se lave pas toute une semaine, tout un mois, alors comment elle va sembler? Elle sort, elle ne sait pas doucher, elle ne sait pas laver tout un mois. Et c'est la parole qui agit comme de l'eau pour nous purifier. Alors comment le croyant va paraître si l'épouse de Christ ne se douche pas, ne se baigne pas dans la parole, l'épouse ne se purifie pas, ne se lave pas dans l'eau de la parole afin de faire paraître. 26, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau. 27, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse. C'est-à-dire l'épouse sans tache ni rien, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Alors, c'est ce que Christ veut que son épouse soit, afin qu'on devienne une épouse fidèle. Nous allons à l'Apocalypse 19, verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues
et son épouse s'est préparée. Et son épouse s'est préparée. Nous ne sommes pas prêts pour l'enlèvement si on n'est pas pur, on n'est pas prêt pour l'avènement du Seigneur, si on n'est pas purifié, lavé, si on n'est pas saint, on n'est pas sanctifié. Alors, il veut que son épouse soit fidèle à la parole, fidèle au Seigneur, fidèle à tout ce qu'il nous a donné à faire. Alors, c'est le seul moyen que nous pouvons être purs. Alors, trois, nous voyons maintenant le chrétien en tant qu'un pont fortifié. Alors, qu'est-ce que le pont? À quoi sert le pont? Le pont sert à aider les gens à passer sur un vide, sur une vallée. Toi, tu es ici, Christ est à l'autre côté. Alors, ou bien, tu es ici, Christ est là-bas. Alors, toi, en tant que pont, tu vas vouloir que les gens, par ta vie, par ton style de vie, par ta consécration, que les gens voient Christ. Christ est là-bas et les gens voient Christ par toi. Les gens peuvent se déplacer, passer par toi vers Christ. S'ils ne sont pas des ponts, nous serons des barrières. Si on devient barrière aux gens qui doivent aller vers Christ, alors on ne mène plus la vie chrétienne. Certains voudraient voir Jésus, les disciples ont dit que hey, chassez ces gens parce qu'elles créent après nous. Alors ce n'est pas un pont là-bas, c'est une barrière là-bas. Les enfants sont amenés au Seigneur et les disciples empêchent les enfants, disaient que faut pas déranger le maître. Ils ne sont plus des ponts, ils sont des barrières. Il veut que le chrétien soit un pont. Un pont que les gens peuvent voir, que de ce que je vois dans sa vie, ce que je vois dans sa vie, la pureté, la sanctification, la sainteté, la douceur, l'humilité que j'ai observé dans la vie de cette personne, je veux être pareil, je veux venir à Christ parce que lui, ou elle a connu Christ, le chrétien, en tant qu'un pont fortifié. Nous allons à 2e Corinthiens, chapitre 5, verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Lorsque deux personnes ont un conflit et ils se font dos, alors tu vas vouloir les réconcilier, tu ne peux pas sinon accuser celui-ci, accuser l'autre-là. Tu ne peux pas embrasser un parti, réprimander celui-ci et louer celui-ci. Non, tu dois être un pacificateur, un pacifiste. Tu es neutre. Dieu veut que les gens passent par lui. Et les gens qui vont faire cela, alors ce sont les gens qui ont l'amour de Dieu, qui ont la douceur de l'esprit. Les gens ont la vie de Christ en eux et ils ont le souci. Ils ont le souci de la mort de Christ, que Christ est mort pour celui-ci. Tout ce qu'il peut faire avec la sagesse pieuse pour l'amener à Christ, je veux être un pont. C'est le chrétien, ça. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Et 19 dit, car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même en n'imputant point aux hommes leurs offenses. Et lorsque nous allons réconcilier les gens, on ne les accuse pas, on ne les condamne pas et on n'explique pas combien ils sont pourris, mauvais. On ne leur dit pas qu'ils ne sont même pas dignes de venir à Christ, mais la porte doit être ouverte. Vous devez être un pont pour dire ce qu'il faut dire de Christ, alors beaucoup de Christ, afin que cette personne s'attire vers Christ. Et c'est dit, et en imputant point aux hommes leur offense, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Et le verset 20 dit, nous faisons donc les fonctions d'ambassadeur pour Christ. Ambassadeur pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Nous allons à Zacharie, nous allons à
Zacharie 8, comment nous demeurons pont, comment nous demeurons la connexion entre le pécheur et Christ le Sauveur. Zacharie 9, nous lisons le verset 16. Et l'Éternel leur dit, les sauvera en ce jour-là comme le troupeau de son peuple, car ils sont les pierres d'un diadème. Le verset 17. Oh, quelle prospérité pour eux, quelle beauté, qui sont ces gens, et tout ce que le Seigneur, tout ce que vous avez pour eux, c'est que ces gens connaissent le Seigneur, qu'ils soient prêts pour le ciel. Le froment fera croître les jeunes hommes et le mou des jeunes filles. Ainsi dit le Seigneur. Zacharie 8, verset 23. Ainsi dit l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, lorsque nous voulons diriger les gens par notre vie, par notre langage et par tout ce que nous faisons, il dit, ainsi parle l'Éternel des armées, en ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, 10 hommes, 10 femmes, 10 personnes de toutes les langues des nations saisiront un juif par le pan de son vêtement et diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu, car nous avons appris, nous avons vu, car nous avons su par ta vie, par ce que nous entendons, par la grâce de Dieu, nous avons vu, nous avons su que Dieu est avec vous. Ils sont les chrétiens, ils sont les gens qui sont fortifiés, qui sont les ponts fortifiés entre le monde et notre Dieu Tout-Puissant. Marc 2, verset 14. En passant, il vit Lévi, c'est-à-dire Matthieu, fils d'Alphée, assis au bureau des péages. Il lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Verset 15. Il est devenu un pont à ceux qui étaient venus, aux publicains qui étaient venus, aux pécheurs qu'il était lui aussi. Alors, il est devenu un pont que les gens passent par lui pour venir à Christ. Et écoutez, la repentance et la foi en Christ, la nouvelle vie, la vie de régénération. Verset 15. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi. Dans le verset précédent, il était devenu un disciple, un converti. Il était devenu un disciple de Christ. Et maintenant, il a invité Christ à sa maison afin de pouvoir amener les autres à Christ pour entendre ce qu'il a entendu, connaître ce qu'il a connu et connaître Christ en tant que sauveur. Comme Jésus était à table dans la maison de Lévi, beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie se mirent aussi à table avec lui et avec ses disciples, car ils étaient nombreux et l'avaient suivi. Nous allons au deuxième point. Deuxième point, nous allons voir le chrétien dans le corps de Christ. Le chrétien, lorsque nous devenons chrétiens, on ne reste pas à la maison dans l'isolement. On ne dit pas « j'ai la Bible, je peux lire la Bible, je peux écouter le message sur les réseaux sociaux. » Donc, je reste à la maison, je peux lire et me développer, je peux lire, étudier et demeurer un chrétien, un enfant de Dieu. Peut-être vous le pouvez, mais la volonté de Dieu, c'est que vous venez être édifié avec le corps de Christ. Le chrétien
Tu es chrétien maintenant? Ah, tu es chrétien maintenant, tu n'es pas un voleur. Voyons, 1 Pierre 4, 16. Qui est chrétien? Chrétien, c'est celui-là qui croit en Christ et il a sa conviction, quel que soit là où se trouve. Parce qu'il va avec sa conviction, ce qui est contraire à l'attitude du monde, au comportement du monde, les gens vont dire, mais pourquoi il vit comme ça? Pourquoi il est si simple comme ça? Pourquoi il est si doux comme ça? Pourquoi il n'adore pas l'idole avec nous? Pourquoi il ne fait pas ce que nous voulons qu'il fasse? Parce qu'il est chrétien. À cause de cela, il va souffrir. 1 Pierre 4, 16. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Nous allons aux Éphésiens chapitre 4. Éphésiens 4, 12. Éphésiens 4, verset 12. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Du corps de Christ. Si vous restez dans l'isolement, vous ne pouvez pas édifier le corps de Christ. Si vous êtes séparé du corps de Christ et vous n'êtes pas dans le corps de Christ, vous ne pouvez pas édifier le corps de Christ. Mais il veut que nous édifions le corps de Christ. Voilà le verset 13. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, si vous êtes isolés, n'êtes pas édifiés dans le corps de Christ, dans l'Église de Dieu, n'allez pas croître à ce niveau maximal. Mais c'est dit jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu à l'état d'homme fait. Tu ne peux pas être amené à la perfection quand tu es resté isolé. Voici ce temps de. Tu as dit que, oui, avec le COVID, je peux rester à la maison, tout est en ligne. Tu ne veux pas rester avec le peuple de Dieu. Tu ne peux pas être édifié à l'état d'homme fait et à la mesure de la statue parfaite de Christ. Et 14, afin que ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, le chrétien né dans sa famille spirituelle. 2, le chrétien édifié sur son solide fondement. 3, le chrétien baptisé d'esprit, de l'esprit de feu. Le chrétien baptisé de l'esprit de feu. 1, le chrétien né de nouveau, né dans sa famille spirituelle. Nous allons aux Éphésiens 3, 14. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père. Verset 15. Duquel tire son nom toute famille dans les cieux et sur la terre. La famille de Dieu, une partie est allée au ciel, une partie enlevée est allée au ciel. La famille de Dieu, les chrétiens dans le Seigneur, nés. Ils sont nés dans la famille et ils font partie, une partie au ciel, une partie sur la terre. Nous allons à Jean chapitre 3, Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Les disciples étaient nés de nouveau, ils ont vu le royaume de Dieu, ils sont entrés dans le royaume de Dieu, c'est pourquoi il les a envoyés prêcher, guérir. Et qu'ils disent aux gens que le royaume de Dieu est venu vers eux. S'ils ne sont pas entrés dans le royaume, ils ne pouvaient pas aller en parler aux autres. Ils ne pouvaient pas dire que le royaume de Dieu est allé vers eux.
Le verset 5 dit, Jésus répondit en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau, l'eau de la parole et d'esprit, le Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Le verset 6 dit, ce qui est né de la chair est chair, et les œuvres de la chair, et c'est ce qu'il fera, et ce qui est né de l'esprit est esprit, et le fruit de l'esprit il le portera. Le verset 7 dit, ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Deuxième Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Deuxième Corinthiens 6, 14. Ne vous mettez pas avec les incroyants sous un joug étranger. Vous êtes croyants, ils sont incroyants. Vous êtes chrétiens, ils sont non-chrétiens. Alors, ne vous mettez pas sous un joug étranger avec eux. Ne vous mettez pas sous un même joug avec eux, dans les affaires, dans le mariage, dans les meutes. Ne vous mettez pas sous le même joug en pratiquant les choses du monde. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger parce que vous êtes chrétiens. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Et le verset 15 nous dit, quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Le verset 16 dit, quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai en eux. Alors, c'est le chrétien, l'homme, la femme demeurée par Christ. La femme ou l'homme demeurée par Christ. Christ demeure en nous. Christ habite en nous. Lorsque nous devenons chrétiens, alors, parce qu'il vit en nous, notre vie est différente. Ça, c'est le chrétien. Il dit que j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur Dieu et seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux. Et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. C'est ce que Adam et Ève, c'est ce à quoi ils ont désobéi. La gloire de Dieu les a quittés. Et la joie d'appartenir à Christ, la relation, la communion qu'ils avaient avec Dieu, n'a plus. Et ils étaient chassés du jardin d'Éden. Il dit, ne touchez pas ce qui est impur. Il nous dit la même chose. Si nous serons la branche dans la vigne, si nous allons rester l'épouse de l'époux, si nous allons rester le pont qui va conduire les gens vers Christ, si nous allons montrer que nous sommes nés dans la famille de Dieu, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. 18 dit, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Nous allons à la deuxième section ici. Le chrétien édifié sur son solide fondement. Éphésiens 2, verset 19. Non seulement nous sommes nés et nous sommes des briques isolées hors de l'édifice, nous sommes amenés à l'édifice, nous sommes bâtis, nous sommes construits, bâtis dans l'édifice. Et Éphésiens 2, 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Le verset 20 dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Si nous sommes chrétiens, nous sommes édifiés ensemble, alors la conviction de l'Esprit sera en nous, le désir du Seigneur sera en nous, que nous allons vouloir faire partie du corps, mais si on s'isole,
on est tout seul, on n'a rien à faire avec le corps, que nous sommes les anges du corps, et voici le corps n'est pas propre tel qu'il doit être. À cause de cela, je ne veux pas m'associer, avec eux, et parce que aucune église n'est parfaite, donc je vais rester séparé, parce que je suis purifié, séparé, je ne peux pas me joindre à une église non parfaite. Et dit que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et le verset 21 nous dit, en lui, tout l'édifice bien coordonné, c'est la volonté de Dieu que vous êtes édifié, bâti, parce que vous êtes chrétien, vous êtes né de nouveau, vous appartenez à Christ, vous êtes bâti, édifié sur ce fondement. En lui, tout l'édifice est bien coordonné, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et le verset 22 dit, en lui, vous êtes aussi édifié, chrétien, pas isolé, pas séparé, pas coupé de tout le corps. En lui, vous êtes aussi édifié pour être une habitation de Dieu en esprit. Nous allons à 2 Timothée 2, 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent dessous. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, le chrétien. Christ et le chrétien, alors il les connaît. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom de Christ, tout chrétien, le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Le verset 21, si donc quelqu'un se conserve pur, lorsque vous allez à l'église, vous allez à l'assemblée, il y a des choses dont il faut se purifier. Vous pourrez ne pas être sale, mais vous devez vous brosser les dents, vous devez vous nettoyer les dents. J'ai dormi et puis je me suis levé. Et puis tu vas sortir comme ça. Non, c'est inacceptable. Au moins, il faut vous débarbouiller. Ouais, ils vont sinon sentir une mauvaise odeur de toi. Donc, dans la communion, comme les gens sont nombreux, c'est pourquoi on s'examine avec, dans la parole, dans le sang de l'agneau. Donc, nous nous lavons parce que nous faisons partie du corps. Si tu dis que oui, je me suis lavé hier, et donc je ne dois pas le faire aujourd'hui. Mais tu dois le faire parce que la transpiration, l'exposition aussi à la poussière et l'atmosphère exige que tu te laves. Donc, comme nous venons ensemble, ceux qui ne se lavent pas et puis qui ne se nettoient pas la bouche et la laine n'est pas fraîche et pure. Et alors, ceux qui ne se lavent pas, ceux qui ne veulent pas se laver pour ôter les mauvais comportements, cela n'est pas acceptable. Et c'est dit que, si quelqu'un se conserve pur, si tu parles aujourd'hui comme tu le faisais 12 mois passés, et tu dis la même chose, les gens te regardent, mais qu'est-ce que lui dit là? Cela veut dire que Tu ne te purifies pas. Tu ne te vois pas. Tu ne te mires pas dans la parole de Dieu. Parce que nous sommes édifiés ensemble sur le fondement dans la sainte habitation dont nous devons nous laver. Nous devons prendre soin de nous-mêmes. Nous devons avoir le comportement agréé dans la communion. Et c'est dit que si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Nous allons à Luc
6. Luc 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Pourquoi vous dites que vous êtes mes disciples? Vous êtes des gens qui me suivent, mes suiveurs. Je suis votre Seigneur, votre Maître, et vous êtes chrétien, suivant Christ. Alors montre l'évidence. Parce que il y a des gens qui disent, qui prétendent être chrétiens, mais qui ne font pas ce que Christ a dit. Le verset 47. Je vous montrerai à qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Et le verset 48 dit, il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Il y a le chrétien qui ne va pas ici et là. Il y a le chrétien qui n'embrasse pas une autre opinion, une autre idée, un autre principe, parce qu'il est bien fondé, bien bâti sur le roc. Il a une conviction ferme, inébranlable, bâtie sur Christ. 49. Mais celui qui entend, celui qui vient à l'église, mais celui qui entend, qui vient à Christ, mais celui qui entend, qui lit la Bible, mais celui qui entend, qui prend part aux réunions des croyants, mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme, à une femme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée. Les tentations viennent et tombent. Les épreuves viennent et tombent. Les suggestions viennent du monde et succombent. Et les principes du monde et la pression du monde, tout cela vient et tombe et s'écroule. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Voyons le numéro 3 ici. Le chrétien baptisé de l'esprit de feu. Le chrétien baptisé du feu de l'esprit. Le chrétien baptisé du feu de l'esprit. Le chrétien baptisé du feu de l'esprit. Parce que tu as perdu ta première passion, ton premier amour, parce qu'une autre chose a ôté ton intérêt. Tu n'es plus fervent, tu n'es plus focalisé, que je te vomirai de ma bouche. Le Seigneur ne doit pas dire à ce chrétien que parce qu'il est baptisé du feu de l'esprit. Matthieu chapitre 3 verset 11. Matthieu 3 verset 11. Moi je vous baptise d'eau, c'est Jean baptise ici, pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Qu'est-ce qui fait du croyant digne de son appel, digne du nom qu'il porte? C'est que il a l'Esprit qui l'enveloppe, qui le baptise de feu. À cause du feu de l'esprit, les gens peuvent voir, lorsque le feu brûle quelque part, on peut voir, on peut prouver la chaleur, on peut voir la lumière que cela donne, parce que le chrétien est né, il est édifié, il est baptisé maintenant de feu. Les gens peuvent le voir et dire ça,
verset 12. Il a son vent à la main, il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Le feu qui provient, le feu qui est venu le jour de la Pentecôte. Nous allons aux Actes 2, verset 21. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Verset 2. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Et le verset 3 dit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres. Matthieu 3, 11 a dit qu'il nous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Ceci, voici ce que nous voyons sur ces gens. Le feu est venu sur eux, séparés les unes des autres, et le feu qui chasse la froideur et la tiédeur, le feu qui met et le zèle, qui apporte la passion, le courage et l'ardeur que le chrétien doit avoir, le feu l'a apporté sur l'homme. Et se posait sur chacun d'eux, verset 4. Et ils furent tous, chacun d'eux, tout le monde, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et le verset 38 dit, Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé, ça dit baptisé d'eau, au nom de Jésus-Christ, ça n'est pas l'autorité de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Hébreux chapitre 1, verset 7. De plus, il dit des anges, celui qui fait de ses anges des vents et de ses serviteurs une flamme de feu. Ces reptiles n'auront pas de place dans notre vie, dans notre ventre, dans nos os. Ces insectes spirituels n'auront pas de place pour se nicher en nous. Ces esprits, ces agents de serpents, de l'ancien serpent, n'auront pas de place dans notre vie si le feu de l'esprit brûle à tout moment. Et cela brûle le jour, cela brûle la nuit, et nous pouvons dormir sans que quelque chose circule dans notre corps parce que le feu de l'esprit va les chasser au nom de Jésus-Christ. Nous allons maintenant au troisième point. Troisième point, le chrétien en tant que croyant, le chrétien en tant que vainqueur. Actes chapitre 26, 28. Actes 26, 28. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Même Agrippa savait qui était le chrétien. Il savait qui le chrétien est. Il savait comment le chrétien doit vivre. Que je ne suis pas encore là, mais je veux être, je désire être, et que tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Et Paul a répondu, je ne veux pas que ce soit que bientôt, je veux que entièrement, pas quasiment, mais entièrement. Acte, chapitre 8, 35. Acte 8, 35. Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus.
Et si quelqu'un me confronte, toutes les fois que je confronte quelqu'un, toutes les fois que quelqu'un croise mon chemin et que j'ouvre la bouche et lui parle des Écritures, je parle de qui je suis en Christ, je parle de ce que je peux faire en Christ, je parle de ce qu'il m'a envoyé faire en Christ, et je parle de la présence de Christ dans ma vie, qui peut être dans sa vie. Quel que soit le chapitre dont il s'agit, j'ouvre ma bouche, je parle comme Jésus va parler. Ça, c'est le chrétien. Et le verset 36 dit, « Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Le verset 37 dit, « Philippe dit, « Si tu crois, le croyant, le chrétien est un croyant, il croit à la parole, il croit au Sauveur, il croit à la vie éternelle, il croit à tout ce qui est écrit dans la parole. » Et il vit avec conviction selon sa croyance. Et vit avec constance comme sa croyance. Et vit avec conversion, avec la confession comme il a cru. Le croyant, le chrétien, c'est le croyant. Alors il est devenu un vainqueur. Philippe dit que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. » 38 dit, « Il fit arrêter le char. » Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Pourquoi tous deux doivent descendre? Parce que Philippe ne va pas prendre une coupe d'eau à mettre à son à asperger à son front, mais il devait l'immerger dans le baptême d'eau. Et le 39, quand il fut ressorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route. Il poursuivait sa joie, tout joyeux. Il y a des convertis, des hommes. Ils sont joyeux, contents. Quand le gagneur d'âme est avec eux, dès que le gagneur d'âme quitte, c'est comme leur joie s'évapore. Avec leur joie accompagne le gagneur d'âme. Je n'ai plus de joie. Il y a des gens, quand ils viennent à l'église, je ne vois pas ceci et cela, parce qu'ils n'ont pas vu la personne qui les a amenés à Christ, parce qu'ils ne sont pas venus à Christ seuls, ils sont venus pour la personne. Ah, je ne l'ai pas vu, ils n'ont pas la joie. Ce ne sont pas des chrétiens. Le chrétien est content à cause de la joie du salut en lui. Qui que soit la personne là-bas, oui, il est venu adorer Dieu. Je suis venu adorer Dieu. Celui qui n'est pas là, il peut avoir sa raison pour ne pas être là. Mais j'ai toujours la joie du salut est là. Et il poursuivait sa route tout joyeux. Et le verset 40 nous dit, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Le chrétien en tant que croyant et vainqueur. Nous allons voir trois sections ici. Numéro 1, le chrétien, un croyant dans son amour éternel. Le chrétien, un croyant dans son amour éternel. L'amour éternel de Dieu. Numéro 2. Le chrétien, celui qui porte les fardeaux des autres. Et de quoi on des fardeaux, il n'est plus
égocentrique, il n'est plus égoïste, il n'est plus imbu de lui-même, moi, il pense aux autres parce qu'il est croyant et comme Christ est venu porter nos fardeaux, cet homme, cette femme porte les fardeaux d'autrui. Cela montre qu'il est maintenant chrétien. Numéro 3, le chrétien, un instrument et un marteau de guerre de l'Éternel. Chrétien, le chrétien, un croyant dans son amour éternel. Actes des apôtres, chapitre 5, verset 14. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. Oui, quel genre de croyants ils ont cru à Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire croit au Dieu d'amour, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ils ont cru en l'amour éternel de Dieu. Il va continuer de m'aimer. Voyons 1 Jean 4,16. 1 Jean chapitre 4, verset 16. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Dieu est amour. Et nous y avons cru. Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Alors voici le chrétien, il croit en l'amour de Dieu et en l'amour de Christ, ce qu'il a fait pour lui. Et Dieu l'aime toujours. Il n'est jamais rejeté, il n'est jamais déprimé, alors il n'est jamais frustré parce qu'il sait bien, il connaît l'amour éternel de Dieu pour lui et il croit en cet amour. Verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Deuxième Corinthiens 4, 13. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons en cet amour éternel de Dieu pour nous, et c'est pour cela que nous parlons. Voyons la deuxième section ici. Nous allons voir le chrétien, celui qui porte les fardeaux des autres. Nous allons au Galates, chapitre 6, verset 2. Galates 6, verset 2. Portez les fardeaux les uns des autres. Les incroyants ne font pas cela. Les incroyants disent que non, j'ai assez de choses à moudre, j'ai assez de choses à écraser. Je ne peux pas penser aux autres. Les incroyants ne pensent pas aux autres. Et ils projettent et planifient. Alors tout est pour eux et pour eux seuls. Mais le croyant, chrétien, parce qu'il suit Christ, parce que la nature de Christ est maintenant en lui et sur lui. Alors, il a mesure de répondre à cette question qui dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Romains, chapitre 15, nous lisons le verset 1. Nous qui sommes forts, alors fortifiés par l'Esprit de Christ dans le croyant, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Et le verset 2 dit que chacun de nous complaise au prochain, que chacun de nous aide son prochain. Que chacun de nous édifie son prochain. Que chacun de nous complaise au prochain. Aide le prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. 3. Car Christ,
ne s'est point complu en lui-même. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction. Tout ce qui a été écrit d'avance dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, la parole qui montre comment les disciples s'entraident, comment ils collaborent, comment ils portent le fardeau des autres, ces choses ont été écrites, d'avance pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. 1 Jean 3, amour, en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Le chrétien est quelqu'un qui porte le fardeau des autres. Les chrétiens ôtent les fardeaux des autres. Le verset 17. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, besoin de confort, besoin de conseil, besoin de nourriture, besoin de vêtements, besoin des choses nécessaires de la vie. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles. Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Comment montre-t-il qu'il est un croyant confirmé qui console? Verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Numéro 3 ici, c'est le chrétien, un instrument et un marteau de guerre de l'Éternel. Le chrétien, le croyant, un instrument dans les mains du Seigneur, qui va convaincre les autres, qui va contraindre les autres à venir à Christ et par là soit converti. Allons à Jérémie chapitre 51. Lisons le verset 20. Jérémie, chapitre 51, verset 20. Tu as été pour moi un marteau, un instrument de guerre. J'ai brisé par toi des nations, convaincu par le péché, et qui confessent et qui viennent au Seigneur. Par toi, par ton témoignage, par ton message d'évangélisation, par ta façon de parler, par toi, j'ai brisé par toi des nations. Par toi, j'ai détruit des royaumes. Détruit le royaume des ténèbres pour faire sortir les gens de leur péché, de leur servitude au royaume de lumière. Un instrument et un marteau de guerre du Seigneur. Ésaïe, chapitre 41, 16. Ésaïe 41, 15. Voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes. Et tu rendras les collines semblables à de la balle. Verset 16. 16 dit, tu les vanneras et le vent les emportera et un tourbillon les dispersera. Mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras
ta gloire dans le sein d'Israël. Il fait de nous les croyants sauvés, sanctifiés, baptisés dans le Saint-Esprit et nous devenons de grands instruments, instruments aigus, des instruments, dans, des âmes dans sa main, pas des âmes charnelles, mais des âmes du Seigneur, afin que notre vie, notre message, nos paroles fassent sorte, poussent les gens, contraignent les gens et poussent les gens à venir au Seigneur. Et ils prient, confessent et deviennent convertis. Nous allons aux actes. Acte 2, verset 37. Acte 2, verset 37. Après avoir entendu ce discours, il eut le corps vivement touché et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous ?» Le verset 38 dit, Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon, pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Verset 39, « Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Le verset 40, « Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous, secourez-vous, séparez-vous, de cette génération perverse. » 41. Ceux qui acceptèrent sa parole, alors il les avait convaincus que ce sont eux qui ont tué, assassiné Christ, crucifié Christ. Il les a convaincus que leur péché était responsable de tuer Christ. Maintenant, s'ils seront favorisés, pardonner avant la faveur de Dieu, ils doivent venir au Seigneur et il va falloir qu'ils se soumettent complètement au Seigneur. Ils n'étaient pas blessés, ils ne s'étaient pas énervés, ils ne l'ont pas haï pour ce qu'ils ont dit, mais ce qu'il a dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre des disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Non seulement qu'ils étaient convertis, ils ont persévéré et continué. Verset 42 dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, et dans les prières. Puisse le Seigneur faire de nous des instruments aigus et tranchants au nom de Jésus-Christ. Que nos armes ne soient pas charnelles, que nos âmes ne soient pas mondaines, que nos âmes ne soient pas celles du monde ou la philosophie ou la psychologie des hommes, ou bien la puissance, ou bien la force d'un homme naturel, courageux, mais que ce soit la puissance du Seigneur et la force du Seigneur. Comme nous déclarons la parole et que la parole apporte la conviction aux gens, et la parole leur fait rappeler leur péché. Ils ont vu leur corruption, leur méchanceté. Ils ont la parole qui brûle leur cœur, le feu de la parole qui brûle leur cœur. Alors qu'il les défie, qu'il les pousse au point de confesser et d'avoir la foi et puis la conviction en le Seigneur. Puisse le Seigneur utiliser nos paroles, notre service et tout ce que nous avons pour apporter les gens à Christ, amener les gens à Christ en milliers au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous avons entendu, que
que cela s'enracine dans notre vie. En tant que, en réalité, en termes pratiques, de façon expérientielle, que nous sommes des chrétiens qui suivent Christ, qui pratiquent la parole de Dieu et que nous soyons utiles devant le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Tenons-nous debout maintenant et parlons au Seigneur dans la prière. Et prenez virtuellement tout ce qu'on a appris au Seigneur pour que nous soyons qui il veut que nous soyons et que nous fassions ce que le Seigneur veut et que tout le monde mène la vie qui loue le Seigneur, ouvre la bouche et prie le Seigneur.